Une salutation spéciale pour chaque ami internaute Michel Haïtio. Je dis à c'est vendredi 18 octobre 2024. Là, actuellement, là, nous présents et sous ta marque aéroport international Toussaint Louverture là. Et c'est toujours dans le cadre de l'entrée et troupes étrangères qui fait partie de la force multinationale là. Et actuellement là, nous gagnons plusieurs officiers bahaméens qui atterrissent sur le sol là. Et nous sommes capables de compter 6 officiers bahaméens au même qui présent à côté que les responsables force kenyans ou même déjà sur place ensemble avec Jamaïcains viennent accueillir officiers bahaméens ça. Nous même et nous avons fait déplacement, nous présents et sous Tamak aéroport international tous ces ouvertures là pour nous être capables de venir faire vivre comment et s'atteler. Pour journée vendredi 18 octobre 2024 là. Canadian colleagues to the MSS. The Commonwealth of the Bahamas has historically been a strong friend, neighbor, and ally to the Republic of Haiti. And the presence of their service personnel here today reinforces that relationship. This Bahamian advanced team brings the MSS total to 4 partner nations under the strong and resolute leadership of the Republic of Kenya. The Bahamian personnel will integrate with the MSS headquarters and help to set the conditions for follow-on forces from the Royal Bahamas Defense Force and other nations that are preparing to join our international efforts as we locate our deployment base. I would like to recognize the presence here today of Deputy Chief of the Cabinet, Dale Smith, and his team of senior officers on the PNH, and reconfirm on behalf of the Force Commander the MSS's commitment to supporting the PNH and the Haitian state in the fight against the criminal elements of the society who would seek to disrupt and destroy the very fabric of the Haitian story, your culture, your safety, and your future. In direct support of the PNH and the Haitian people, the MSS hopes to stop that criminal effort in order to give the Haitian state and people the opportunity to continue to chart, free from fear, your own collective destiny. Thank you again for your presence here today, ladies and gentlemen. I will close my brief remarks by stating nous engagez pour Haïti, recommande speed. And now hand over to Charge Affairs. Supporting political stability. The mission's activities align with the broader efforts to restore political stability in Haiti by creating secure and a secure environment for peaceful political processes to take place and to further support the Bahamas activities and involvement in CARICOM with its eminent presence group. The Bahamas reiterates the importance of continued sustained financial support from donor countries to ensure that the United Nations Trust Fund is able to fund the MSSM operations until such time as the mission becomes one of peacekeeping. Any serious effort to bring relief, development, and peaceful political transition in Haiti requires an economic component. With this understanding that the annual budget for the MSSM has an estimated $600 million, there is a $200 million deficit of funding which needs to be pledged to the UN Voluntary Trust Fund. Thus, the Ministry of Foreign Affairs in the House its government encourages donor states to pledge and deliver on additional commitments to support the Haitian multinational security support mission, whether it be through the UN Trust Fund, the
the Caribbean community through CARICOM or in the form of direct bilateral aid. We would wish, again, to thank you for being here, to welcome Commander Johnson and the team from the Royal Bahamas Defence Force. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. That ends today's proceedings, and thank you for your attendance. Merci. Pour l'intérieur de la je vois celui-là. Là, c'est plusieurs soldats bahaméens qui rentrent, qui à peine arrivés sous Tamakaye au port de Saint-Louverture, pour venir renforcer la force multinationale, là, les amis internautes d'ITV 509. C'est comme ça, ça y est, au port de Saint-Louverture. Nous présentons nos belles vivre comme ça. C'est M. Bandio qui a passé à l'offensive. Je fais une attaque sur Croix des Bouquets. Après ça, ils font l'autre attaque sur Grissier. Ensuite, ils posent une action dans Bétonville. Et ils sautent, même pas l'homme, mais ils passent à l'attaque de Grissier. Et puis ils font l'autre attaque sur le commissariat de Gantier. Donc, ils ont rentré en non-stratégie pour porter la police nationale là, dans le fond Lago. C'est ça, le travail de la dispersion des forces. Ils ont frappé quoi des bouquets pour qu'ils viennent derrière eux. Ils ont frappé Grissier pour qu'ils fassent force sur derrière eux. Pendant qu'ils ont frappé Grissier, ils ont frappé Gantier tout. Donc, cela veut dire que eux-mêmes, ils ont une stratégie. Et, question mal abordée, nous toujours disons ça. Tant que c'est des forces de police, quelle que soit force police au monde, on va retirer force police les États-Unis, force police la France, quelle que soit force police engagée dans le travail, ça, les gens qui engagent force ça font erreur stratégique. Parce que les forces là, finissent frapper à problème qui vient, ils ne peuvent pas avoir l'autre bah, pour le fait que retourner à la commissariat. Et M. Bandio lui-même qui ancré souterrain, il y a peut-être que puis il faut aller puis retourner même côté. Parce que nous dans sa relais, ils ont obligé l'État à rentrer dans sa relais en guerre de position. Or guerre de position n'est pas faite pour la police. La police a rentré la bagi, la retourner la caille, même problème la retourner encore. Donc Kenya pas qu'à résoudre le problème, pas jamais qu'à résoudre le problème. Par contre, l'État haïtien est capable de faire une stratégie pour utiliser la force Kenya qu'il a en supplément à force PAL. Donc, laisse la force PAL là, tu as une tactique qui est différente. Mais j'avais impliqué là, ça va pas le résultat. Il y a un peu de monde qui dit pour la force Kenya n'est pas arrivé à le résultat, il faut que tu aies plus de matériel. Pour que tu aies des hélicoptères pour ne pas battre à terre seulement. Parce que nous remarquons que. Ils ne peuvent pas battre à terre. Ça ne fait pas une stratégie de bataille à terre, non? Mm-hmm. Bataille à terre, bataille là-bas, c'est bon, être lié, c'est caché. Donc, on a un véhicule blindé, pas boumé. Non. Le véhicule blindé n'est pas fait pour ça. C'est à utiliser là, son stratégie erronée. Le véhicule blindé est là pour transporter tout le monde en sécurité. Pour arriver sous théâtre d'opération. D'ailleurs, ce n'est pas des véhicules blindés en tant que tel, c'est des véhicules de transport de troupes. Oui. Donc, ils n'ont pas qu'à livrer la guerre pendant le fait, mais ils ont acquis environ 8 mètres carrés. Dans les meilleures conditions, 8 mètres carrés, quand même, on est capable. Sans donc cage que nous avons.
D'ailleurs, si je vois M. Bandi habitué à attaquer quelque chose, assez souvent, c'est propre monde servant, c'est comme ça, vous voyez, Léo. En d'emblée, c'est eux-mêmes qui ont un problème. Au lieu de monde qui est à terre, parce que le monde à terre, il y a plus de mobilité. Et je ne sais pas si monde vient avec la stratégie blindée, ça, mais il n'y a pas qu'à faire résultat, il n'y a pas qu'à faire résultat. Et puis, le problème qui est là, il n'y a pas qu'à attaquer avec des forces terrestres uniquement. Il faut que les trois corps, les forces aériennes, quelle que soit nature, matériel, aérien que vous avez utilisé, les forces maritimes, regardez qui s'est passé, et Grissier. Ou un grand moment privé, on dit vous voyez des renforts par mer. On ne pas quoi, une stratégie de l'État ici, il y a une capacité pour faire un contrôle de l'espace maritime. Il y a une stratégie qui est erronée totalement. Alors, comme son bagage nous répète souvent, je ne sais pas combien de fois avec nous m'expliquer ça, et que les gens qui sans ces stratégies, mais qui est responsable de l'État, toujours été dans la même stratégie, il presque arrivé à une conclusion que vous ne pouvez pas résoudre le problème. Non? Le véhicule blindé, ça va falloir vous dire, qui n'est pas fait pour gens de bataille, mais en fait, c'est tout pour transporter les troupes. Transporter troupes là, est-ce que c'est ça qui t'a expliqué depuis le premier jour? Il y a des gens qui disent que c'est études de terrain, il y a des gens qui disent que c'est force d'arriver dans la zone des casernes avec le véhicule blindé, ça, c'était à peu près 8, c'était pour faire connaissance avec le terrain. À peine arrivé, il y a une qui était en chauffé, qui n'a pas de castat. Il était obligé de râler, de retourner avec les deux. Est-ce que c'est ça qui t'explique le problème? Ça? Non, ça n'a pas de problème, son matériel. C'est quand on machine, on doit aller voir une machine, un bâton levé. La machine ne refuse pas, ça n'a pas de problème. Cela, il y a des vérifications que tu fais pour faire sous matériel avant de déplacer avec, il n'y a pas de faire. Mais on parle de son matériel. Et, au contraire, c'est ça qui fait. Lorsqu'on fait déploiement avec véhicule, on est toujours obligé de gagner une ou deux véhicules de réserve. Si vous avez une pompane, même côté on est capable de remplacer, servant qui était là-dedans, qui est capable de transférer à l'autre véhicule. Donc ça, c'est son détail. Mais c'est stratégie à même qui n'est pas bon. Par exemple, nous avons des petits madames dans l'ONU, elle vient là, elle peut mettre blindé en bon. C'est pas un problème blindé. Nous avons blindé pas capable de résoudre le problème que nous avons là. Et puis derrière blindé, ça veut dire que ce ne sont pas des blindés et pour bataille. C'est blindé pour qu'on mène les troupes en sécurité sous théâtre d'opération. Mais là, on veut sous théâtre d'opération, il faut mettre pied à terre. Or, c'est ça, il n'y a pas de prendre chasseur. Parce qu'il n'y a pas gagné, il n'y a pas un nombre suffisant. Parce que l'on affrontement, le premier bar pour calculer, c'est le rapport humain. Si on a 200 personnes, il faut gagner 300 personnes. Si on a 200 personnes, il faut gagner 600 personnes. Sans règle de 1 pour 3. Donc, il n'y a pas de j'aime dans la bataille. Il y a un petit monde qui a fait la go, il a fait jouet. Mais les nègres arrivent dans le blender, ils arrivent dans le blender. Mais le blender, on va avoir une vision à 360 degrés. Et puis, le blender, mais non, qui bon. Parce que le déplacer dans le blender, son problème qui est dans un point dans le territoire, on peut le régler. L'arrivée avec le blender, il faut déployer. Déployer avec lui, les mettre les pieds à terre pour y aller vers l'objectif là. Et c'est une reconnaissance qui est fait. Nous n'avons pas de surveillance aérienne. Nous avons M. Bandi qui a plus de surveillance aérienne que nous-mêmes. Nous n'avons pas de surveillance aérienne, nous n'avons pas de système de renseignement continu. Ce renseignement continu, c'est un système qui fait qui joue, nous avons cherché à aller de tel côté. Et pour un système de surveillance qui a bon tout côté la bouger, tout côté la faire. Qui a bon indication pour ajuster, si ou bien ajuster le chef. Bah ouais, ça fait donc. Là, la police est tombée dans dans la go cachée. Non, avec lui, le premier ministre Gary Conyé, dans le match, il était fait connaître combattre l'insécurité, c'est quoi le véritable choix de bataille. Et plusieurs semaines après, il y a un premier contingent, parce qu'il y en a arrivé, il y a un deuxième dérivé, il a changé le directeur général de police, là, même directeur général de police là, actuel, là, non, il a fait connaître, il peut mettre fin à l'action bandido. Je ne veux dire à nous remarquer, avec présence, ni nouveau chef de police, là, ni PM Gary Conyé, ni premier et deuxième contingent parce qu'il y a là. Bandi yo continue à faire ça yo vle dans le pays. Yo continue à écraser le commissariat. Yo continue à tuer les gens. Au contraire, yo continue même à kidnapper les gens. Comment comprendre ça? Quel est le pouvoir de situation? Bon, son bataille qui mal engagé. Bataille là mal engagé pour une raison simple. Étudio pas fait. En tout cas, les gens qui font étudio, qui dit qu'ils font étudio, étudio mal fait. Ou bien étudiant pas fait du tout. Ou pas engagé contre des troupes sans bagon étude de terrain. Et
gen un fait, c'est ça relé un fait physique. Moun ki gen contrôle espace territorial là, c'est bandi. C'est eux-mêmes qui dans des lieux géographiques connus. C'est eux-mêmes qui au contraire, c'est eux-mêmes qui ont avantage de l'offensive. Vous avez l'impression au lieu structurer l'État, tu as cherché bandits, c'est bandits qui ont cherché structurer l'État. Donc, son bail qui techniquement mal engagé. En ce qui concerne la déclaration publique que le Premier ministre a fait, je ne peux pas porter critique tout ça parce que je ne sais pas qui base du balai. Parce que l'heure pour parler, il faut parler en fonction de ce qu'on est, qui existe côté du monde, nous avons un problème avec là. Il faut parler en fonction de ce qu'on est, pour faire préparer pour faire face à elle. Et si on fait une bonne décision, le premier bagage pour faire, c'est parler ou pas parler. Donc, vous avez des gars qui font bataille, qui tirent, vous avez des gens qui parlent, qui parlent, c'est blague, blague. Parce que le principe là, lorsque l'entreprise une action, ou pas fait pour dire rien. Par exemple, le bandit ou le casé, le commissariat, quoi de vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez tel côté. Là, après, vous avez agressé, est-ce que vous avez dit agressé? Là, vous montez à tuer dans l'après-midi, deux personnes dans Pétionville, vous n'avez pas fait publicité sur ça. Donc, c'est les gens qui ont dit que vous avez. C'est eux-mêmes qui ont respecté les règles de la guerre. Ils n'ont pas parlé, ils ont frappé, ils ont besoin d'action. Ils ont besoin d'action, lorsque tu vas chercher, ils sont dans l'autre côté. Et ils ont une action coordonnée parce que, les qui prennent le matériel, qui ont crasé la prison, qui ont crasé le commissariat, ce n'est pas eux-mêmes qui prennent le matériel, qui ont crasé le grisé. Ce n'est pas eux-mêmes qui montent à Pétionville, qui ont tué deux, trois personnes. Ce n'est pas même eux-mêmes qui descendent qui attaquent le commissariat et Gantier. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui est rationnelle par rapport à ça qui a posé. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas continuer. En tout cas, vous parlez de chef de la police. Hein? Et je ne sais pas si personne qui a mis des compétences, ni bonne volonté, ou mon temps pour dormir l'amour en question. Mais quelle que soit bonne force ou bien bon monde ou bien. On engage la stratégie qui est lui-même qui est roulé, qui va pas au résultat. Alors, Claude, pour un peu le monde, les gens qui ont quitté la caillou, mon café, mon cité soleil, plusieurs autres zones qui ont quitté la caillou, sur le canal, pas de bouquet, avec présence, parce qu'il y a un an, les gens commencé à manifester une sorte de joie. Je te dis, les gens qui ont la caillou, ils espéraient obtenir la caillou. Je ne veux dire, je ne veux pas dire là, il faut arriver. Nous toujours pas connaître qui nous même toujours pas connaître qui c'est pour les non il y a un mot pour nous c'est bon un mot pour nous la vérité pour moi pour moi dire au barré qu'a fait pour notre tonton Noël m'a expliqué que j'ai monsieur ta cap tourner la caillou et qu'il est à tourner la caillou pas un seul action que la police m'a parlé de la police nationale d'Haïti non que la police Kenya que la police Canada que la police États-Unis, la police, la France, Nicaragua, etc. Dit yo yo pral faire des actions qui pour permettre nous de tourner la caillou, quelle que soit la police qui nous a dit. Quel que soit le gouvernement tout, qui t'a dit yo ça, sous base on action policière que vous pral faire, c'est menti. Moun yo ap kap tourner la caillou. C'est là où la police rentre, li fait une action son si bien précise. Et puis yo dou gen combien de bandits qui connu qui tombé. Maintenant, yo wè l'armée vini, l'armée occupe zone nan. Les l'armée fin occupe zone nan. Yo wè l'armée passé 15 jours, 22 jours, un mois. L'armée yo di yo met tourner, yo met konnen lè sa y ap kap tourner vraiment. L'armée ap rete avec yo nan espace là. Réorganiser espace là avec yo, rétablir force sécurité yo, rétablir force police qui pour assurer sécurité au quotidien avec yo. Et puis la mère dit qu'on après trois mois, nous avons déplacé, nous-mêmes nous avons pris les armes, nous avons tourné la caille. Mais par contre, il y a un cas que les gens qui racontent des blagues qui ont fait nous tourner la caille dans le cinéma, nous n'est pas vrai. Alors, parlant de l'armée, une dernière question. Parlant de l'armée, pas plus tard que hier, il y a un groupe de jeunes garçons qui prennent le collaboration. Ils sont inscrits dans l'armée d'Haïti depuis 2017. De 2017 à nos jours, il n'y a pas jamais relé. Depuis 2017, il y a été dépassé là, vous entendez? Parce que pour entrer dans l'armée. Pour entrer dans l'armée, on lâche pour entrer. On lâche.
pour recrutement par contre fait dans l'armée et puis pour recruter mon et puis 5 ans passé puis va rentrer parce que on l'âge pour sortir il pas prendre mon dans l'armée après 25 ans si on est inscrit mon dans l'armée après 25 ans mon nom est connu non blablabla. Mais qui ça qui explique que là dans tout l'autre pays c'est l'État qui a cherché moun comme si qui ouvre porte pour jeunes garçons intégrer les forces de l'ordre. En Haïti, il y a un groupe jeune qui prêt pour batailler, pour aider le pays. Et puis, l'État a dormi. Alors, nous qui mettons l'État, ça ne va pas occuper vraiment de ça, vous dire à vos libères. Par exemple, sous la situation qu'on a là, comme ça, on sait que le monde est dans le CPT. Depuis le bail, ça a monté, il y a 4 mois là. Pas aucun gens pour 9 mois de mettre ensemble pour prendre une décision dans le pays. Donc, on a essayé de faire souffler, mais l'échec est signé au départ. Maintenant, il faut gérer deux dossiers là. Qui moun ou est là, tout le monde qui est dans le gouvernement, dans le CPT, tout le monde qui est dans la primature, qui moun ou est campé côté ou t'as capable d'identifier, dire ah, ouais, vraiment, je ne sais pas si ça a parlé de ça. Si par exemple, pour prendre un bon moment dans l'hôpital, je dis mal au père ou malade, vous voyez, on est malade, on est déjà mouru. Moun yo a parlé de ça, il n'y a pas qu'on est. Là, par exemple, le premier ministre a dit qu'il allait marcher, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. C'est une grosse opération. Je sais qu'il y a au moins 20 000 hommes qui ont nettoyé un espace physique. Ça a déjà existé, vrai, dans les médias. Mais son bagage de masse, il faut qu'il y ait un pile de monde. Donc, les jeunes garçons sont capables de courir des gens dans l'État pour entrer dans l'armée, pour entrer dans la police. Comprendre que les gens, c'est un bon bagage. Qui est lié à la sécurité nationale qui est dans la tête. Pas un bail comme ça dans la tête. Et de gens qui ont pris des bails personnels, qui ont fait des comptes privés, qui n'ont pas géré le dossier de l'État vraiment. Et jour où il y a une série de monde, il y a un peu de capable de responsabilité pour beaucoup de dirigeants. Mais tu comprends ça, c'est. En fait, tu comprends son bail qui a fait mesdames pendant longtemps avec elle, pour son métier, pas que mesdames là-dedans. Parce que je vois qu'il y a la vie. Nous avons beaucoup de dossiers. Quelle est la quantité de force que vous avez, si nous ne gagnons pas d'abord une ligne doctrinale, une stratégie qui est très clairement définie, et puis des actions qui peuvent aller en deux stratégies, et qu'a fait qui ne peut pas camper dans la route, c'est dans le blanc. Même l'année, ça, avant l'année pays, pas de jeunes embauchés, jeunes qui peuvent nous battre. Bon, premièrement, si nous déconnaissons des données sur la mer, nous ne pouvons pas parler de eux publiquement. Et si nous avons des données publiques, nous pouvons prendre eux-mêmes avec. Je ne sais pas qui est l'armée avec une caserne. Vous connaissez une caserne en Haïti. Parce que l'armée, c'est une caserne qui a été. Et la caserne n'est pas des bails en cachette. C'est des bails qui sont connus. Il y a côté l'armée à faire entraînement. Ou un soldat qui a chanté, qui a couru, qui a fait sport. Ou un passé dans le camion, il a faire exercice. Il a le chantier. Donc, ce n'est pas vrai. Ça, vous avez des gens qui ont parlé de vos bagailles. Mais ça, il n'y a pas la vérité. Est-ce que ça veut dire nous. Il y a des gens qui disent que nous n'avons pas l'armée. Est-ce que nous sommes capables de dire que nous avons raison? Parce qu'effectivement, ça vous souligne là, nous presque pas. On ne peut pas même dire presque, on ne peut pas dire moi-même. L'armée n'est pas capable de bagarre en cachette. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont habillés avec des rades sur nous et vous jouez l'armée. Ou qu'il y a des gens qui prennent. Nous connaissons plus de gens qui sont entraînés à l'étranger qui rentrent. Mais qui sont au caserne. Par exemple, nous avons l'air de faire condition D. Condition D a dit rentrer dans la caserne. Pour qui ça? Parce que vous mobilisez. Qui pas caserne yoye? Donc nous n'avons plus le bagage imaginaire. Pendant ce temps, la population qui a souffert à lui-même a compté sur le bagage vraiment. Il y a quoi bon bagage qui pourrait le faire vraiment? Et c'est là que les gens dirigent. Bon, je ne vais pas dire aux méchants. Parce que l'homme est ignorant. Il ne faut pas faire un bagage qui est peut-être. Donc, les gens ont parlé de bagage, ils ne sont pas connus. Même moi, j'ai une conviction. Que yo pas voulu résoudre le problème. Non, c'est là que le problème de sa population est. Parce que le bagage qui est là, son projet politique. Li. C'est des gens qui viennent craser le pays, qui volent tout le pays, qui le serrent à l'étranger. Et puis, quand ils qui fait manœuvre, ils mettent 2-3 personnes au pouvoir pour venir préparer une faux élection pour eux, pour qu'ils tournent sur le pouvoir encore, pour qu'ils utilisent le pouvoir pour protéger les têtes. Pour qu'ils aient le premier signe pour jouer les gens qui parlent sérieux. Ou après, on tombe et mette tout côté pour rendre la justice, il a commencé à construire. Jour où on commence à prendre la justice, où on commence dans toute commune,
a mis tribunal côté pour juge capable de chita pour juger les gens qui font des choses pas mal, qui ne sont pas correctes dans la société. On a dit, ah, les gens ont une intention dans la tête. C'est les bagages qui ont fait, force de police, force de l'armée, a agi contre les gens qui font mauvais actes. Je dis, les gens qui dirigent au palais, donc vous avez une blague, je dis, déposez ça. Donc, l'homme qui a dirigé, bon, il y a des âmes, mais nous avons dit, déposez ça. Nous avons la même histoire d'Haïti ou pas qu'on est. Parce que nous avons son ton accès tout le monde, nous avons dit, si on a besoin de retirer les âmes, c'est ce qu'a vivre le fort. Donc, il y a des gens qui ont déposé, non, nous avons des blagues. Même histoire d'Haïti ou pas qu'on est. C'est le premier ministre, mais nous, en personne, nous avons dit, c'est le premier ministre. Déposer les âmes, respecter l'autorité de l'État, et puis après, il y a avancé pour dialogue. Déposer les âmes, mais dis ça, mais dis la terre. Bon, les nègres ont mis la terre, qu'est-ce qu'a vraiment fait? Assurément, si vous dites que vous êtes capable de faire une stratégie comme vous allez continuer après. Oui, ça me dit, dans la psychologie sociale, vous n'avez pas fait blague. Vous dites déposer ça. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas déposé ça. Vous n'avez pas oublié. Après 10 minutes, vous n'avez pas fait ça. Vous baissez le reprend ça. Vous n'avez pas fait ça. Mais vous n'avez déposé ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez déposé ça. Vous n'avez pas fait ça. Premièrement, vous n'avez pas déposé ça. Vous n'avez pas utilisé ça. Mais il y a des gens qui ramassent pour mettre l'autre côté. Donc, je suis un petit peu dans la blague. Je ne sais pas si l'acteur est conscient, parce que je ne sais pas si prêter l'accusation sur eux. Je ne sais pas si l'acteur est tête. Je ne sais pas si l'omission. Je ne sais pas si conseiller. Donc, là, je parle, je suis obligé d'entendre ça. Je dis pour reconnaître l'autorité de l'État. Bon, toi, quand l'autorité de l'État, tu n'as pas capable dans le bureau. Bon côté du premier ministre, tu dis ça. C'est le premier ministre de l'Intérieur tout. Yes. Et le défait qu'on a, il y a plus travail pour retourner dans le bureau. Ok, côté bureau lié. On va jusqu'à présent. Qui est le bureau ministère de l'Intérieur? Tout pour cassation. Est-ce que le ministre a le bureau? C'est la ligne là. C'est là où c'est le monde qui a fait ça. Voilà. Et alors, colonel, qui j'en vous comprenne ça, il y a un monde qui était agent 2 dans la police qui vient ministre de défense. Qui était agent 2 dans la police qui vient ministre de défense au pays. Non, il y a un agent 0. Le ministre de défense est un poste politique. Si dans un moment, les gens qui ont fait politique et politique estiment que les gens ont une meilleure qualification, son poste politique. Bon, il y a un agent 0, il vient ministre, par exemple, moi-même. Il y a un agent comme ministre de la Santé publique. C'est moi-même qui ai dit non, je ne sais pas qu'on est là, je ne sais pas qu'on est là. Mais son poste politique lié. Est-ce que ça va expliquer tout et c'est parce que tout le gouvernement qui est là n'est pas venu de l'extérieur et tout. Il va venir faire un bail qui est bon. Le gouvernement qui est là n'est pas réglé en extérieur. On ne sait pas, même quand depuis le 25 avril, il y a un CPT qui peut être ça. Même pour moi, le CPT a beaucoup même existé. Parce que le décret, il a fait qu'il nomme là. Si tu es accord, 3 avril, il va aller sans ça. À quoi beaucoup de gens officiels? Donc c'est pas beaucoup de gens officiels non plus. C'est-à-dire pour vous-même, c'est pas beaucoup de gens qui n'ont pas existé. Non mais, écoutez, c'est quand vous faites petit, allons faire petit, je dis que je suis Sébastien Rébu. Pourquoi ça me suis Sébastien Rébu? Parce que je suis Imler Rébu. Mais c'est pas Imler Rébu comme il dit que je suis Sébastien Rébu, non? C'est devant officier d'état civil, je me dis que je fais petit, tel jour, tel lait, tel côté. Maman c'est un tel, moi-même c'est papa et moi il est tel genre. Donc tant que Baptiste a beaucoup fait, pour dire que bah, Baptiste va exister pour l'État. Donc c'est peut-être à beaucoup exister. C'est beaucoup exister, je dis, et jusqu'à présent, il a pris une décision, il a fait des déclarations dans nos pays. Est-ce que ces déclarations, il est. Mais toute décision, il a pris. Bon, on ne peut pas assez souvent nous, vu l'accord du 3 avril. Mais quand l'accord du 3 avril là? Après 3 avril, là, c'est pour moi imaginaire. C'est un acte public que lié. Vous voyez, il y a plusieurs organisations qui ont demandé pour publier. Pourquoi il n'y a pas publié? Allemand, pour qui ça ne va pas publier? Plusieurs ont même cité. Est-ce que c'est ça que tu as expliqué quand tout le monde dit? Pour eux-mêmes, c'est PM qui est chef, c'est PTA. Ah, PM dans son lot avec Alélié, c'est un seul pour dire que les fêtes. Nous, on seul pour tout le monde voter pour PM, pour dire que c'est un bon chef. Je ne vais pas parler de la même chose, je ne vais pas dire que si je suis dans la même musique. Ce n'est pas correspondance, c'est sur Zoom, je choisis et puis la théorie là, en forme. Et nous, effectivement, le chef vraiment, il dit lui-même,
Bagonet, tous les ministères régaliens, c'est pour moi. Tout le monde nous dit d'accord. Alors, avant de finir, validé. Les tout les gens levés, c'est clair. Tout le monde saoulé, le dit Koni, tout le monde vous connaît, vous êtes vous. Bon, même les gens qui ont fait manifestation devant Primatia. C'était des partisans et Fritz et Belizer, il y a des pour l'autre, et mon yote qui est comme premier ministre, et puis les abdi non, mon yote vous voyez, c'est qu'on y a dit. Bon, c'est ça, on est constaté. Donc, c'est un gros miracle. Alors, bon Dieu fait pour nous s'acter passé dans un match football là, mon guide mourir en babier brayo, c'est pas ça, ça va arriver, chef ça. C'est pour ça que nous venons de dire que c'est pour nous qui chef tout le bagage, puis nous va connaître. Donc, comme on dit, c'est gros chef, lié, les évêques. Donc, alors c'est ça, c'est ça l'opinion publique là. Il finit tout bien, tout boudé. Voilà. Il est tellement venu en force, il dit si ça vous met deux gars, il nous a tiré ça. Donc nous-mêmes, le collectif là, nous n'avons rien qu'à passer. Yeah. Ni nous pas discuter avec sénateur Leblanc sur ce sujet comme ça non plus. Parce que sénateur Leblanc est un président de la République. Donc, pour ne pas poser président de question.